Bonjour à tous et bienvenue à Momentum en ligne. Nous sommes heureux ce matin, nous allons vivre une matinée extraordinaire avec chacun d'entre vous. Alors merci, vous nous suivez à travers les quatre coins de la francophonie, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le Facebook. Juste écrivez l'endroit d'où vous venez là dans le chat, dans les commentaires. Laissez-nous savoir quelle est la ville en France ou peut-être le pays. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de Belgique, de Suisse, du Québec et différents pays en Afrique également. On est vraiment, c'est un honneur pour nous, un privilège de vous recevoir. La semaine passée, nous avons pu faire le lancement de l'album Momentum. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'écouter les chants, tous les chants sont sur la chaîne, notre chaîne YouTube de l'église Momentum. Allez, après la réunion bien sûr, mais allez jeter un coup d'œil. Alors ce matin, quel est le programme? On a la joie d'avoir toute une équipe qui va nous conduire dans un temps de louange, d'adoration, où nous allons pouvoir nous approcher de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu. Et ensuite, je vous apporterai un message. On va regarder un enseignement sur comment prier pour être gardé du mal, pour être gardé du malheur qui est là et qui nous entoure. Alors je crois que, et j'anticipe vraiment un moment béni, un moment où nous allons être encouragés par la louange et par la prédication de la parole. Alors juste avant de laisser la place à toute l'équipe, j'aimerais juste prier et recommander ces moments à la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis ce matin devant toi et nous croyons, les gens qui sont derrière leur écran, nous croyons que tu vas les bénir, nous croyons que tu vas les encourager, nous croyons que tu as une parole pour eux et nous croyons qu'à travers le temps de louange et d'adoration, nous allons pouvoir rentrer dans ta sainte et dans ta douce présence, là où nos cœurs sont guéris, là où nos âmes sont rafraîchies, là où nous pouvons contempler ta gloire et ta grâce en action dans nos vies. Que ton nom soit béni, Jésus, et que tous ceux-là derrière vos écrans qui désirez louer et adorer Jésus, dites amen. Je laisse la place à toute l'équipe. Alléluia, notre Dieu, il est bon, il est présent encore ce matin avec nous. On va juste lire ce passage. La Bible nous dit dans le psaume 113, « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ? Notre Roi, il est avec nous aujourd'hui. Il va encore lui donner un avenir et une espérance. On va tout simplement lui dire, Seigneur, tu règnes, tu es saint, Seigneur Jésus. Alors tout simplement là où tu te trouves, ferme tes yeux et chante avec nous. Alléluia. Tout-Puissant règne. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Deep.
Ce matin, on veut déclarer, on veut se cacher dans ta lumière. On veut cacher qui on est dans ta lumière. Oh, merci pour ta présence. Merci parce que mon identité, je la puise en toi, Seigneur. On y va tous ensemble. Quand les joies éphémères disparaissent,
Déclarons-le tous ensemble, fascinés. Je vivrai
garder cette attitude de louange, d'adoration, de prière. Je voudrais prier dans quelques instants, dans quelques secondes, prier pour vous, alors que vous êtes là dans votre salon, dans votre canapé, dans votre chambre, dans votre bureau. J'aimerais avoir cet instant pour prier pour vous, prier pour la présence de Dieu. J'espère que vous êtes convaincus ce matin que lorsque nous louons, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, quelle que soit ta solitude, ton isolement ce matin. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais t'apporter une parole de la part de Dieu. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'enlacer, t'envelopper de sa présence à l'instant même, alors que nous recevons des sujets de prière de toute la francophonie, des gens qui souffrent de solitude, de dépression. Nous le savons, ce deuxième confinement est tellement difficile, tellement compliqué. Peut-être que pour toi, c'est un moment où la tristesse, t'as jamais eu une tristesse aussi haute dans ta vie. J'aimerais prier pour toi ce matin. Peut-être que tu as des décisions à prendre. Il y a des moments, des décisions, des choix importants à prendre. Tu es en train de réfléchir à changer, bousculer, changer de métier, changer de milieu, changer d'environnement, changer de ministère. Est-ce que je pourrais avoir un instant également pour prier pour toi ce matin, que la sagesse de Dieu dans ces moments-là puisse t'accompagner, puisse t'aider à prendre les meilleurs choix. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Te remercions pour ta présence, te remercions d'être là, d'être avec nous, d'être au milieu de nous. Je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne qui regarde ce live. Chaque personne qui regarde ce live, tu connais les défis, tu connais les malheurs, tu connais les besoins, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que tu puisses envelopper chaque personne de ta présence, une personne qui souffre de solitude ce matin. Je te prie d'intervenir, je te prie d'agir auprès d'elle, Seigneur. Garde-la, protège-la, Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un qui va prendre un choix, une décision importante. Je te demande, Seigneur, de le secourir, mon Dieu, de l'aider, de l'assister par l'intelligence de ton esprit, la sagesse de ton esprit, Seigneur, qu'aucune décision ne soit prise à la hâte dans ces moments-là. Je veux te prier, Seigneur, pour qu'il y ait une onction particulière pour chaque personne qui souffre de dépression, de tristesse. Je te demande d'agir, Seigneur, au plus profond des cœurs. Au plus profond des cœurs, Seigneur. Souffle, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, un vent de joie, Seigneur. Ou là où il y a l'abattement, Seigneur, je prie que tu restaures, je prie que tu relèves dans ton nom précieux, Seigneur. Je veux te prier pour quelqu'un qui est dans la maladie ce matin, qui souffre, qui est dans le besoin, qui a besoin de toi, quelle que soit la maladie. Je veux prier que dans le nom de Jésus, il y ait une touche particulière ce matin. Pour chaque personne qui regarde ce live, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait chanter encore une dernière fois ce chant, tous ensemble? Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa présence, pour ce qu'il fait, sa richesse dans nos vies, dans nos cœurs. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous regardez. Si vous êtes connectés sur YouTube, Facebook, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Également à cliquer le petit pouce, like. Likez cette vidéo, souvent ce n'est pas un réflexe, mais on vous invite à le faire pour que cette vidéo soit un maximum vue et puisse être dans le haut du fil de l'actualité. Également, les groupes extension continuent dans ces moments, vous le savez, c'est un défi énorme.
de continuer la communion, de continuer le partage, la connexion entre nous. Le Covid est un fléau pour la communion, un fléau pour le partage. Alors, si vous souhaitez rejoindre un groupe, on veut les poursuivre, on les continue. Malgré ce confinement, on continue à les poursuivre par Zoom, qui est un logiciel où on peut se connecter à plusieurs, où on peut avoir ce moment-là depuis votre habitation, depuis votre logement. Mais en tout cas, partagez un moment de prière, un moment de partage biblique avec des frères, avec des sœurs. Vous pouvez vous inscrire, vous avez l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran, mais sur le site internet de l'église, vous avez un clic que vous pouvez faire pour participer à un groupe extension. Également, si vous avez des questions, une adresse mail va s'afficher sur votre écran. Vous pouvez écrire à Brian ou Denis pour avoir des réponses à vos questions pour participer à un groupe. Également, on aimerait tellement vous remercier pour les dîmes, les offrandes, votre fidélité dans ces moments-là. Tellement important que l'Église puisse continuer, que ce bateau puisse continuer à flotter. On vous remercie tellement et je me joins également au pasteur Patrice qui va intervenir dans quelques instants pour vous remercier pour cette fidélité que vous avez chaque mois dans les dîmes et les offrandes. Et j'aimerais, alors que je priais pour vous tout à l'heure qui traversez un moment de souffrance, de malheur, j'aimerais que vous puissiez, au travers du message qui va suivre, trouver une prière à adresser à Dieu au milieu de votre souffrance, au milieu de votre malheur avec le pasteur Patrice. Merci, merci Philippe, merci à toute l'équipe. Si vous avez aimé le temps de louange, juste dans les commentaires, dites-leur merci. Ils travaillent fort pour chaque semaine. Toute l'équipe travaille très fort pour que nous puissions vous bénir, vous encourager. Donc prenez un instant, peut-être à vous ça va vous prendre 3-4 secondes, mais juste pour signifier votre appréciation. Également, j'aimerais à mon tour vous remercier. La semaine passée, nous avons fait le lancement de l'album Momentum Amour parfait. Et vraiment, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé, que ce soit à travers YouTube ou Facebook. Il n'y a pas eu loin de 20 000 personnes entre Facebook et entre YouTube, des gens qui ont regardé le live et qui nous ont laissé des centaines de messages et de remerciements. Donc vraiment, merci. C'est très, très encourageant pour nous. Je réfléchissais à ça cette semaine et je pense qu'on est une des rares églises, peut-être pas la seule, mais une des rares églises à avoir fait un lancement d'album dans une salle vide. Mais par la foi, je crois que c'est des milliers, et c'est une réalité aussi maintenant avec le recul, c'est des milliers qui étaient connectés. Et je peux vous dire que c'était, à un moment donné, c'était comme de la tristesse de dire « Waouh !» Tu sais, faire un lancement d'album dans une salle vide, toi, n'importe quelle personne, on veut que la salle soit comble, on veut qu'il y ait de la ferveur, on veut qu'il y ait de la chaleur, on veut ça, quoi, pour un lancement d'album. Et là, c'était salle vide. Mais merci parce que vous avez été des milliers à regarder, à nous soutenir, à nous encourager. L'album a tellement été téléchargé sur iTunes qu'il a été l'album le cinquième le plus téléchargé pendant une journée entière. On est resté pendant pas mal de jours dans le top 30 des albums les plus téléchargés en France, toutes catégories confondues. Alors, c'était marrant de voir l'album au milieu de AC/DC, Aya, Vianney, Bruce Springsteen. Et au milieu, tu avais album Momentum, Amour parfait. Et donc, merci vraiment pour ça. Sachez que vous avez encore la possibilité soit d'avoir le CD en physique. Vous allez sur le site eglisemomentum.com et là, vous avez la possibilité, une boutique, vous pouvez acheter le CD, on va vous l'envoyer, vous allez l'avoir très rapidement, vous avez la possibilité également d'avoir des goodies, c'est-à-dire le mug pour boire votre café, il y a la casquette, il y a quoi d'autre également, enfin bref, voilà, il y a toutes sortes de goodies, vous allez sur le site et vous allez trouver tout ça. Sinon, l'album est sur toutes les plateformes de lecture, Deezer, Spotify, vous pouvez l'acheter sur iTunes ou en lecture sur iTunes, bref, il est de partout. Donc également, on ne peut pas le faire maintenant parce que c'est le confinement, mais on va faire la possibilité où vous pourrez acheter l'album directement sur le site sans payer les frais de port et venir, ça c'est pour ceux qui habitent en Gironde, dans le 33, et venir directement à l'église une fois que le confinement sera terminé. Il y aura une permanence et vous pourrez avoir le CD directement. Donc en tout cas, c'était en tant que pasteur et au nom de toute l'équipe et de toute l'église Momentum, vous dire merci pour votre manifestation
d'amour et d'appréciation. D'ailleurs, l'album et même toutes les chansons sont sur YouTube également. Tout à l'heure, vous aurez la possibilité de les retrouver dans la playlist Amour Parfait. Donc, merci, merci et merci. Alors maintenant, j'aimerais rentrer dans le message de ce matin parce que je crois que c'est un message qui va vous encourager à garder votre cœur afin de vivre ce que Dieu a prévu que vous puissiez vivre. Je crois vraiment que notre appel est plus grand que nous. Ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'en as aucune idée. Et c'est pas un effet d'annonce. Je crois vraiment quand nous lisons la parole de Dieu, je ne pense pas que lorsque David était derrière son troupeau, tout seul, je crois que David était très loin d'imaginer qu'un jour il deviendrait le roi d'Israël, qu'il allait combattre Goliath et qu'il allait vraiment devenir l'homme selon le cœur de Dieu et vivre tout ce qu'il a vécu. Je ne pense pas que Moïse, à l'âge de 80 ans, alors que lui aussi était derrière un troupeau dans le désert de Madian, je ne pense pas que Moïse ne s'imaginait pas qu'un jour il allait se retrouver devant Pharaon, les 10 plaies d'Égypte. C'est sûr que Moïse jamais ne pouvait s'imaginer que la mer Rouge allait s'ouvrir devant lui. Mais son appel était plus grand que lui. Et c'est ça la réalité. Et je crois que nous ne pouvons pas imaginer tout ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Malheureusement, et c'est vrai dans la parole de Dieu, nous voyons des gens qui avaient un appel extraordinaire, des hommes et des femmes qui avaient un appel magnifique, chuter, tomber. Nous voyons certains, à travers les siècles et jusqu'à nous aujourd'hui, des ministères qui étaient glorieux et qui ont chuté. Et c'est ça, il y a cette réalité qui doit nous interpeller. On sait qu'il y a des gens qui vont tomber dans l'alcool, dans la drogue, d'autres vont tromper leur épouse, leur époux. Il va y avoir toutes sortes de catastrophes. Et dans la Bible aussi, nous voyons des hommes et des femmes qui ont chuté. Par exemple, un des personnages illustres, c'est le premier roi d'Israël, Saül. Saül était un homme que Dieu avait choisi. C'était un héros, littéralement, Saül. Et puis un jour, Saül va chuter, il va tomber. Et lorsque David va l'apprendre, regardez ce que David va dire. Comment est-ce possible? Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Comment se fait-il qu'il y avait des gens qui remportaient des victoires extraordinaires, qui étaient des leaders, qui étaient des hommes et des femmes inspirants, des hommes et des femmes à qui nous on désirait ressembler? Comment se fait-il? Comment des héros sont-ils tombés? Comment on en est arrivé là? En fait, on doit comprendre que plus nous remportons des victoires, plus nous rentrons, progressons, grandissons dans l'appel de Dieu, plus il y a un ennemi, l'ennemi de nos âmes, qui est là, qui rôde et qui désire tout simplement nous faire chuter, nous faire tomber. Et plus, en fait, nous désirons être bénis et rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, plus nous devons prier également pour que Dieu nous préserve et nous garde du malheur. La prière, j'aimerais voir ça ce matin avec vous, aujourd'hui, peu importe que, si c'est la nuit, vous le regardez en replay, la prière pour être préservé du malheur. La prière, on veut prier pour être béni, mais quand tu pries pour être béni, tu dois également prier pour que Dieu te garde et te préserve du malheur. Les deux vont ensemble. À chaque fois que tu pries pour être béni, tu dois également prier pour être préservé du mal, pour être préservé du malheur. Et on va regarder à différents personnages de la Bible, à Jabez, à Joseph et également à Jérémie. Et on va le faire assez rapidement. Et on va regarder d'abord Jabez. Jabez, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Dans mon deuxième livre, il y a toute une partie où je parle de la prière de Jabez. Et j'aimerais juste vous lire justement cette magnifique prière que Jabez a faite. Elle est riche. C'est dit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez bien la prière de Jabez, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Beaucoup pensent, et à tort malheureusement, que si j'ai prié et que j'ai dit « Seigneur, bénis-moi » et que Dieu me bénit, que Dieu a étendu mes limites et que la main de Dieu est sur moi, alors c'est cool,
C'est tranquille, je suis relax. À partir du moment où je suis béni, à partir du moment où Dieu a étendu mes limites, à partir du moment où la main de Dieu est sur moi, alors c'est sûr que bah, c'est bien, je suis bien là. Mais Jabez avait cette intelligence spirituelle que je nous invite à avoir ce matin. Jabez, de la même manière, il a compris, Jabez a compris cette réalité. Si Dieu me bénit, si Dieu est en mes limites et si sa main est avec moi, c'est sûr que l'ennemi, que le diable ne va pas l'entendre ainsi et il va tout faire pour me faire tomber. Il va tout faire pour que je sois le prochain héros, héroïne qui va tomber. Je sois le prochain qui va amener l'opprobre sur le peuple de Dieu. C'est sûr, il y a cette réalité. Et Jabez le conçoit et le comprend tellement qu'après avoir prié « Bénis-moi, étends mes limites et que ta main soit sur moi », Jabez a cette intelligence spirituelle de dire « Préserve-moi du malheur ». Lorsque je vais te bénir, lorsque mes limites vont être étendues, lorsque ta main va être sur moi, je te prie Seigneur mon Dieu, préserve-moi du malheur. Pourquoi ? Parce que premièrement, il y a un héritage à préserver. Préserver l'héritage. Celui qui prie pour être béni doit également prier pour être préservé du malheur. Jabez demande la protection du malheur. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quoi le malheur? Quand Jabez dit « garde-moi du malheur », souvent dans la connotation que ça a dans notre langue, souvent ça a vraiment une notion de malchance. C'est, pour le dire de manière un peu plus explicite et familière, c'est « Seigneur, garde-moi de la poisse, quoi ». Seigneur, je n'ai pas envie de tomber dans une infortune, dans une malchance quelconque. Garde-moi de ça. Souvent, on pense que c'est ça. Sauf que quand j'ai été regardé dans l'hébreu, le mot hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est très intéressant et je l'ai écrit comme ça. Si, j'ai essayé de prendre la prière de Jabez, juste préserve-moi du malheur, et essayer de la paraphraser pour nous aujourd'hui en 2020. Et on pourrait le traduire comme ça, nous pourrions traduire « Préserve-moi de pratiquer le mal ou toute œuvre malhonnête et d'être séduit par des valeurs immorales. Garde mon cœur de sombrer dans de mauvaises dispositions qui me conduiraient à transgresser tes préceptes et à pécher contre le ciel. » Comprenez-vous ? En fait, ça n'a rien à voir avec l'infortune, avec la malchance. Quand Jabez dit « garde-moi du malheur », c'est pas « bon, une fois que j'aurai réussi à faire plein de choses, garde-moi quand même d'un coup de poisse ». Jabez n'est pas en train de prier ça. Jabez comprend que derrière une grande victoire, il va y avoir de grandes attaques de l'ennemi avec de grandes tentations. Et Jabez a cette intelligence de dire « Seigneur, garde-moi de toute œuvre malhonnête, garde-moi de tout ce qui peut m'entraîner à pécher et à commettre des choses qui ne sont pas à ta gloire. Je ne veux pas pécher contre toi, je ne veux pas pécher contre le ciel. Alors je te prie, un peu comme Jésus lorsqu'il enseigne sur le Notre Père, après avoir prié pour des bénédictions, donne-moi mon pain quotidien, le Seigneur également invite « Garde-moi du mal ». Il y a vraiment cette notion de prier, Jésus l'a enseigné, on le voit à travers Jabez, on le voit à travers des psaumes. Il y a vraiment ce désir, cet impact, cette intelligence de dire « Seigneur, je te prie, garde-moi du mal ». Parce que derrière de grandes victoires, écoutez bien ceci, derrière de grandes victoires, il y a également de grandes attaques. Plus vous allez, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir le schéma en visuel, mais plus en fait vous grandissez dans votre influence, plus vous grandissez dans la bénédiction, plus littéralement vos limites s'étendent comme Jabez. Ok, plus en fait vous êtes parti, vous aviez pas beaucoup, c'était pas large, vous aviez un territoire tout petit, mais plus ça prend de l'ampleur, plus votre droit à l'erreur c'est proportion inversée. Au début, quand vous étiez complètement en bas, votre droit à l'erreur était important, mais plus vous êtes béni et plus vous étendez la bénédiction et la grâce de Dieu sur votre vie, plus le droit à l'erreur lui est en train littéralement de rétrécir. Je vous donne un exemple, vous allez le comprendre. Par exemple, si je prends un pot de peinture, ok, et qu'il était là, j'ai pas osé vous faire une leçon d'objet parce que là, je pense que plusieurs n'auraient pas aimé. Mais si je prends un pot de peinture et que de sa hauteur, je le fais tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une flaque de peinture là, peut-être sur un mètre carré.
C'est ce qui va arriver. Si maintenant je prends ce pot de peinture et je le mets complètement en haut là, du bâtiment, il y a à peu près 8-9 mètres, et que de là-haut il y a un échafaudage, et que de là-haut il tombe, et que là il tombe au sol, qu'est-ce qui va se passer? On va tous être, s'il y avait les musiciens, tout le monde, on serait tous arrosés, on va tous recevoir de la peinture, c'est sûr qu'il y en aurait sur les rideaux, il y en aurait sur l'écran, il y en aurait sur les murs, il y en aurait de partout. La réalité, plus tu montes dans la grâce, la bénédiction, l'influence que Dieu veut te donner, le leadership que Dieu veut te donner, et plus tu chutes, et plus ça arrose des gens. Et tu dois comprendre, en même temps que tu pries, pour grandir dans la grâce, la bénédiction, et de tout ce que Dieu veut te donner dans ton appel et dans ton ministère, tu dois également, proportionnellement, prier pour que Dieu te garde du malheur. Parce que plus tu vas avancer, Saül, lorsqu'il a chuté, lorsque Saül est mort, ce n'est pas juste un soldat qui est mort tout seul dans son coin. En mourant avec Saül, des centaines d'autres sont morts. Et il y a vraiment cette notion, vous savez, si un dimanche matin, une personne nouvelle arrive à l'église et qu'elle accepte le Seigneur, et puis ensuite, le dimanche soir, quelqu'un la croise dans les rues de Bordeaux, et puis là, une bouteille de whisky à la main droite, un joint sur la main gauche, en train de discuter avec une prostituée, et qu'on voit cette personne-là, c'est sûr que c'est dommageable, c'est grave, c'est un péché, etc. Mais ça ne va pas détruire la réputation de l'église Momentum. Si par contre, moi, le dimanche soir, vous me voyez avec une bouteille de whisky à la main, complètement ivre, avec un joint dans l'autre main, en train de partir et monter dans une chambre avec une prostituée, ça va arroser toute l'église, et même bien au-delà de l'église, ça va avoir tout un impact à travers plein de gens qui apprécient et qui aiment l'église Momentum, vous comprenez. Donc en même temps que tu pries pour gravir la montagne, que tu pries pour que Dieu te donne et de plus en plus d'impact, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi, il est important que tu pries, Seigneur, garde-moi, préserve-moi du mal, préserve-moi de commettre le péché, préserve-moi de commettre des choses qui sont malhonnêtes et qui vont être une opprobre littéralement sur ton royaume. C'est important d'avoir cette prière et d'avoir cette intelligence. Regardez, si vous êtes en bas dans la vallée, et vous êtes en bas dans la vallée, quand vous êtes en bas dans la vallée, dans la plaine, vous pouvez vous permettre d'avoir des chaussures glissantes. C'est pas grave, vous êtes sur une prairie. Vous pouvez avoir des chaussures glissantes, vous pouvez faire complètement l'idiot, vous pouvez tourner, sauter, rire, etc. Faire toutes sortes de trucs complètement loufoques. Il n'y a pas de souci, vous êtes en bas dans la plaine. Mais lorsque tu vas vouloir gravir la montagne et que tu vas prendre des chemins escarpés, des chemins sinueux, des chemins où parfois tu as à peine 50 cm, un chemin creusé dans le rocher, où là tu te tiens à une corde et là c'est le précipice. Est-ce que tu réalises que là les chaussures glissantes tu ne peux plus les avoir? Là tourner dans tous les sens et délirer tu ne peux plus le faire. Plus tu vas monter la montagne, plus tu vas être béni, plus tu vas avoir la main de Dieu sur toi, plus tu vas étendre tes limites, plus tu vas vivre la gloire de Dieu, plus tu dois avoir cette intelligence de dire « Seigneur, garde-moi du mal, préserve-moi du malheur, garde mon cœur, Seigneur. Je désire » et en même temps que tu pries pour être béni, prie, je pense que tu l'as compris, prie pour que Dieu te préserve. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a un appel à ne pas discuter avec le tentateur, avec la tentation. Vous savez, c'est comme, il y a certaines conversations, c'est pas bon de les avoir avec des gens, je parle pas de péché là, mais parce que tu sais que le débat va être houleux. Tu sais que toi, par exemple, tu as une couleur politique qui est là, et l'autre, il est complètement à l'autre extrême. Et là, tu sais que ça va être problématique, ou alors dans certaines manières de voir les choses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ne discutez pas des opinions. Parce qu'il y a des gens, en discutant sur des opinions, tu sais que ça va finir en drame, l'histoire. Eh bien, je crois que c'est exactement pareil avec le péché. Ne discute pas avec le péché. Ne discute pas avec le tentateur, parce qu'il est intelligent, il est rusé, il est malin, et il arrivera à gagner son point. Et si tu discutes avec lui, il y a de grandes probabilités pour que tu te retrouves entraîné à chuter. C'est pourquoi ne discute pas avec le tentateur. Regardez Joseph. Joseph, à un moment donné, se retrouve à la maison de Potiphar, et Potiphar, qui était son maître, lui donne tout. La seule chose que Joseph n'avait pas le droit de toucher, c'était la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar voyait Joseph, et Joseph était beau, il était intelligent, il était charismatique. La Bible nous dit qu'il était beau à bien des égards. Et lorsque Madame Potiphar va le voir,
Elle va vouloir tenter Joseph. Et regardez ce qu'il est dit. Potiphar abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. Et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa. Vous savez, nous démons, on prend un peu des pincettes, hein. On essaye de, on dit les choses un petit peu, on n'essaye pas d'y aller de face, on y va un peu de côté parce qu'on veut ménager les âmes susceptibles, etc. Là, la tentation, Madame Potiphar, la Bible nous le dit de manière très claire, c'est cash, c'est direct, couche avec moi. Couche avec moi. Et là, Joseph va commencer à parler au début. Et puis, au bout d'un moment, il dit, mais non, il a refusé. Monsieur Potiphar m'a tout donné, mais non. Et là, il part. Et est-ce que vous croyez que quand vous remportez la victoire sur la tentation, pensez-vous que vous avez remporté la victoire sur la tentation à jamais? Est-ce que vous pensez qu'elle risque de revenir, la tentation? La réalité, c'est qu'à un moment donné, et on le voit d'ailleurs, hein, lorsque Jésus a vécu quelque chose de glorieux lors de son baptême, le ciel s'est ouvert, la colombe, ceci, c'est mon fils bien-aimé, etc. Il va partir, il va être dans le désert. Et là, après une grande victoire, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir la tentation. Et quand le diable, lorsque Jésus va remporter la victoire sur cette tentation, le diable nous dit, il va partir pour revenir à un autre moment plus opportun. On pourrait lire ça dans Luc chapitre 4. Et il y a vraiment cette notion, la tentation, elle va revenir. Elle cherchera toujours un moyen, tiens là, c'est le bon moment pour y aller. Et là, Madame Potiphar, elle n'a pas lâché l'affaire. Il est dit ceci, que jour après jour, des vagues de tentation, jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Est-ce que vous comprenez ? Joseph a refusé de discuter avec la tentation. La première fois, il a essayé un petit peu, mais non, ça ne sert à rien de discuter avec la tentation. Une des clés, j'ai écrit ceci, une des clés pour résister à la tentation est de ne pas discuter avec elle. Je vous ai mis quelques mises en situation. Par exemple, des jeunes fiancés. Enfin, puisqu'on va se marier bientôt, pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça change? Allez, juste une fois, on ne recommencera plus jamais après. C'est promis. La tentation, elle arrive et avec tout son lot, tout ce que ça peut comporter. D'autres mises en situation, mon mari ou mon épouse ne me comble pas mes besoins, ne comble pas mes besoins comme toi tu pourrais le faire. Waouh ! Personne ne te voit derrière ton ordinateur. Regarde ce que tu veux, fais ce que tu veux. Personne ne te voit, qui te regarde derrière ton ordinateur ? Arrête de résister, ça ne sert à rien. Comprenez-vous ? Il y a toutes sortes de subtilités qui viennent. Et parfois la tentation, elle est grossière, elle ressemble à Madame Potiphar. Madame Potiphar représente les tentations grossières. Mais des moments, la tentation est très subtile, très subtile. Lorsque Adam et Ève ont péché, la tentation était subtile. Il est dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il y a une intelligence qui est là. Sauvage que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent. En d'autres mots, la femme enclencha la conversation. Bingo, quand tu parles avec la tentation, c'est juste terminé. Et là, je ne pense pas que Ève, le matin, lorsqu'elle s'est levée, elle s'est levée avec le désir de pécher. Mais là, c'est arrivé, elle a appelé ensuite son mari, elle a appelé Adam, et Adam et Ève. Et c'est fou que d'ailleurs, quand on lit cette histoire, Adam et Ève avec le serpent, et lorsqu'il y a eu la chute, on a l'impression que c'est très amical. C'est comme s'ils étaient autour d'un café, assis sur des canapés, et là, ils sont en train de discuter. « Ah, mais est-ce que Dieu a dit ça ? Ah, mais moi, je pense que… » Et il n'y a aucune agressivité. Tout est dans la nuance, la subtilité. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Ah, mais moi, je sais que si tu prends ça, alors tes yeux vont s'ouvrir. Ah, tu seras peut-être comme un Dieu, etc. Il y a toutes sortes de ruses, de manigances derrière tout ça. On a l'impression que c'est une petite conversation amicale autour d'une tasse de café, tranquille, assis sur des sofas, sur des canapés. Mais là va se jouer un drame. Littéralement. Ça a l'air amical, c'est pourquoi il y a vraiment cet appel à dire « Seigneur, préserve-moi, écoutez bien, préserve-moi, et c'est important de le prier, préserve-moi du malheur ou garde-moi du mal. » Et c'est très différent de « aide-moi à traverser
lorsque je serai dans le mal. Souvent, des moments, on a cette notion, Seigneur, aide-moi, alors que là, il va y avoir toutes sortes de tentations. Seigneur, aide-moi à traverser tout ça. Dieu ne nous invite pas à faire la prière, aide-moi à traverser le mal. Non, c'est Seigneur, garde-moi-en, que même pas je me retrouve dans l'ère du péché, dans cette ère de combat, dans cet endroit où je risque de chuter. Le Seigneur nous invite, que ce soit Jabez, que ce soit la prière du Notre Père que Jésus a enseigné, c'est vraiment, même pas tu dois te retrouver dans une situation qui pourrait t'amener à pécher. Alors qu'on s'entende bien, la tentation, je l'ai noté, n'est pas un péché, mais comprenez que son aire de combat est en territoire ennemi. La tentation de faire le mal ne se retrouve pas dans le royaume de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves dans une tentation où il y a toutes sortes de choses qui veulent t'amener à faire du mal, c'est toujours en territoire ennemi. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à prier « Seigneur, aide-moi à traverser le mal lorsque je vais m'y retrouver ». Non, non, c'est carrément « Prie pour que même pas tu te retrouves dans une situation qui risque de t'amener à pécher ». Est-ce que vous comprenez la nuance ? Seigneur, je te prie aujourd'hui, je me lève, Seigneur, et je te prie afin qu'aujourd'hui je sois gardé même de la tentation, que je sois gardé même de me retrouver dans une situation qui va me donner des envies de commettre un péché. Garde-moi du mal. Et j'aimerais juste finir en vous donnant une clé. La clé est la suivante, c'est de réfléchir aux répercussions. Je vais appeler les musiciens à revenir, s'il vous plaît, et à commencer à jouer. Il y a vraiment cette notion de, troisièmement et dernièrement, réfléchissez aux répercussions. Je crois vraiment que de réfléchir est un antidote au péché. Je m'explique. Dans la vie, il y a des stimulus qui sont là, qui viennent et, vous savez, qui sont jetés sur nous. Ça, on ne peut pas le choisir. C'est comme des flèches qui nous sont, des lances qui nous sont jetées dessus. Ça, on ne peut pas choisir les stimuli extérieurs. Mais souvent, la pensée que la plupart des gens ont, c'est qu'il y a une action, il y a une réaction. Okay ? Il se passe un stimuli, poum, réaction. Quelqu'un me dit ça, poum, réaction. Je suis tenté là-dessus, poum, réaction. C'est comme il y a un stimuli, tac, réaction. J'aimerais vous dire, entre le stimulus et la réaction, il y a la réflexion. Quelle est la réponse que je vais apporter au stimuli qui vient d'arriver ? Quelle est ma réponse ? Ne crois pas que tu es dépourvu d'intelligence et de réflexion. Tu dois réfléchir avant de commettre un péché. Il y a un appel aussi à réfléchir. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va se passer dans ton mariage ? Qu'est-ce qui va se passer pour ton appel, pour ton ministère ? Qu'est-ce qui va se passer dans ton job si tu es tenté à aller piquer dans la caisse de ton patron ? Qu'est-ce qui va arriver ? Ce n'est pas juste, tiens, je suis tenté de prendre de l'argent. Je prends de l'argent, super. Qu'est-ce qui va arriver ? Réfléchis aux répercussions. Je crois que c'est une des plus grandes clés de se dire, parce que ça éveille en nous de la crainte. Ok, il va se passer ça. Je vous donne Jérémie. Regardez ce que Jérémie va dire dans les Lamentations de Jérémie. Écoutez bien, c'est tellement intéressant. Il parle du peuple d'Israël, il parle du peuple de la promesse qui vit dans le pays où coule le lait et le miel. Écoutez bien, quand on réfléchit à Israël avant l'exil, tout est là pour eux. Ils sont le peuple de Dieu, ils sont le peuple élu. Ils vivent dans le pays de la promesse, là où coule le lait et le miel. Ils ont le bon Dieu, ils ont l'éternel, littéralement. Ils ont tout pour eux. Ils sont entourés de possibilités. Leur vie, c'est sûr, ils vont gagner, ils vont remporter la victoire. Tout est là pour qu'ils gagnent, pour qu'ils réussissent. Malheureusement, ils ne vont pas prier pour être gardés du malheur, pour être gardés du mal, et ils vont pécher. La Bible nous dit qu'ils vont se prostituer avec d'autres dieux. En fait, personne ne peut voler ta destinée. Personne ne peut voler ce que Dieu a mis sur ton cœur. Il n'y a rien excepté ton attitude, excepté la manière dont tu vas vivre et dealer littéralement avec le péché. Là, malheureusement, le peuple qui avait tout pour réussir, qui était dans le bon endroit, qui avait le bon Dieu, qui avait les promesses sur leur vie, parce qu'ils ont décidé de pécher, de ne pas écouter l'Éternel. Ils vont se retrouver en exil, en terre étrangère. Ils vont se retrouver loin de leur famille. Eux qui étaient les fils de la promesse se retrouvent esclaves. Le pays où coule le lait et le miel se retrouve devenir une terre que d'autres vont habiter. Et ils vont vivre un drame. Écoutez ce que Jérémie dit. Comment ? Elle est assise, solitaire.
cette ville si peuplée, il parle de Jérusalem, comment elle est si solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve, elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un la console. Tous ses amis l'ont trahi. Ils sont devenus ses ennemis. Est-ce que vous comprenez ? Quand on regarde les conséquences du péché, on comprend qu'on a besoin, comme Jésus l'a enseigné, comme Jabez l'a enseigné, comme Jabez l'a demandé plus exactement à Dieu. Bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi, mais garde-moi de faire le mal. Vous savez, des moments quand on gravit des échelons dans la destinée que Dieu nous a conviée, qu'on remporte des victoires, à l'instar d'un Saül, à l'instar de tellement de personnages, de nos contemporains comme jusqu'à l'époque biblique, tellement de gens qui ont chuté, tellement de gens qui sont tombés, des héros sont tombés. Seigneur, garde-moi du malheur. Je ne veux pas être le prochain à divorcer. Je ne veux pas être le prochain à chuter, à tomber. Israël avait remporté des victoires extraordinaires. Avec David, ils avaient étendu leurs limites. Ils remportaient des choses magnifiques. Ils ont étendu leurs limites, malheureusement, à un moment donné. Ils ont arrêté de faire attention à ce malheur qu'est le péché, au mal qui les guettait. Et là, d'un seul coup, le péché est tout venu briser. Chaque jour, j'aimerais finir avec cette dernière slide, chaque jour, priez afin de ne pas être incité à vous livrer à un acte répréhensible, à être préservé de cette amorce qui, tel un hameçon, vous capture. Élevez votre voix en demandant au Seigneur de vous préserver de tout appât susceptible de vous attirer dans un piège et vous faire souffrir. Regardez la destinée de Joseph. Joseph, imaginez qu'il ait péché. Imaginez que finalement il réponde aux avances de Madame Potiphar et qu'il se vautre lamentablement dans le péché. Joseph ne serait jamais devenu celui que nous connaissons. Combien il y a de gens que nous ne connaissons pas du reste, qui ne sont jamais devenus ce qu'ils étaient appelés à devenir parce qu'ils ont cédé à Madame Potiphar, quel que soit d'ailleurs le type de tentation. Mais parce que Joseph a résisté, parce que Joseph a gardé son cœur en priant, « Seigneur, garde-moi du mal, garde-moi du malheur. » Joseph est devenu un des personnages les plus importants de son époque. Il a été un instrument de choix puissant et utile dans son époque et dans sa génération. Il a été un instrument puissant dans les mains de Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous, notre appel nous dépasse. Forcément, on n'est pas tous appelés à des apôtres Paul, Moïse, ce n'est pas ça mon point. Mais mon point, c'est qu'on ne peut pas imaginer tout ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Et en même temps que tu pries, Seigneur, bénis-moi, imite Jabez. En même temps que tu pries, Seigneur, et bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi. Prie, Seigneur, garde-moi du mal. Garde-moi de commettre des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et si tu as péché, si tu te retrouves dans une situation dramatique aujourd'hui, je t'invite à te repentir, tout simplement. À aller, vous savez, j'aime beaucoup cette image du Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui part de la mer de Galilée, là où il y a le miraculeux, là où Jésus a marché sur l'eau, là où il y a la pêche miraculeuse. Et du Jourdain, il y a ce fleuve qui part et qui va se jeter dans la mer morte, là où il n'y a aucune vie. J'aimerais te dire ce matin, si ça a été ton cas, tu as péché, tiens-toi au milieu du Jourdain et que les eaux vives du ciel viennent nettoyer tout ce qui n'est pas bon dans ta vie et que tout soit emporté et aille dans la mer morte, que tu sois lavé de tout ce qui t'a retenu, de tout ce qui t'empêche de vivre ce que tu dois vivre. Alors je t'invite à dire, c'est vrai Seigneur, je veux prier, je veux comprendre si Jésus l'a enseigné dans la prière du Notre Père, si là Jabez et si d'autres ont fait la prière, ce n'est pas pour rien. En même temps que tu pries, Seigneur, garde-moi du mal, que tu pries, Seigneur, bénis-moi, prie pour que Dieu te garde du mal. Ton secours est en Dieu. Notre secours est en Dieu. Sa main est sur nous. Il nous aime et il a des choses extraordinaires pour toi.
J'aimerais juste là où tu es, j'aimerais juste prendre un instant et prier pour toi. Seigneur, mon Dieu et mon roi, je te prie pour tous ceux qui sont derrière leur ordinateur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour si tu désires répondre à cet appel ce matin, là où tu es, dis Seigneur, me voici, je me tiens devant toi. Oui, je veux prier moi aussi, jour après jour. Tu peux l'écrire même sur le chat. Dire Seigneur, je prie pour que tu me gardes et me préserves du malheur. Écris-le, Seigneur, bénis-moi, mais garde-moi aussi de pratiquer le péché. Garde-moi de tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur mon Dieu, mon secours est en toi. Oui, je veux grandir et gravir cette montagne de tout ce que tu as prévu pour ma vie. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que ma vie soit gardée, que ma vie soit dans tes mains, que ma vie, Seigneur mon Dieu, reflète la gloire de ton nom, Seigneur. Alors juste là où tu es, je t'invite avec toute l'équipe de louanges, juste à commencer à chanter, à célébrer et à déclarer ce chant comme une déclaration de foi et d'intention. Mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut le chanter avec foi et ferveur? Ensemble, si la lune me glace, si le soleil menace, mon secours est en toi. Oh, qu'on puisse s'approprier ces paroles. Toi seul et
cette célébration vous a encouragé, vous a béni. Si ça a été le cas, si vous pensez que ce message peut bénir des gens autour de vous, pensez à le partager, peut-être directement par mail, il y a un onglet partager, ou tout simplement le partager sur votre fil d'actualité. Merci également pour votre générosité. Tous ceux qui veulent nous soutenir à travers dîmes et offrandes, allez, bien sûr, la famille, ceux de la famille Momentum, allez sur le site eglisemomentum.com. Il y a un onglet donner, ou alors monoffrande.fr. Et merci pour tout ce que vous nous apportez. Sachez que tous les chants de l'album maintenant sont sur YouTube et sur toutes les plateformes de lecture, Deezer, Spotify. Vous avez la possibilité également d'avoir l'album directement en physique. Alors, vous allez sur le site de l'église momentum.com et là, vous allez voir boutique et vous pouvez acheter directement l'album en CD, les goodies, les casquettes, les mugs. Enfin bref, il y a toutes sortes, le tote bag, voilà. Et il y a toutes sortes de choses qui sont là aussi. Donc merci, merci pour vos prières, merci pour l'amour que vous nous démontrez, merci pour l'appréciation, merci pour la multitude de messages que vous nous envoyez. On est honorés de vous servir, on est honorés de servir Dieu et d'être des canaux de bénédiction pour chacun d'entre vous. Alors merci pour tout ce que vous nous donnez, merci pour qui vous êtes. Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine.